Donc ouais, salut à tous les frérots, il n'y a qu'un seul joueur 78+, c'est Daniel Kofi qui a une belle carte quand même. Il demande exactement or pour un choix joueur 78+, les canailles. Ça peut être pas mal pour avoir des fodders, ils n'ont pas mis de pack icon ni rien. Donc ouais, c'est franchement, je m'attendais à un pack icon ce soir, vraiment les gars. Donc un peu déçu. Ils ont mis Daniel Kofi les gars. Il demande une équipe à 82-85 quand même. Mais il a 5 de GT, 3 de mauvais pied. Après, le truc, c'est qu'il a pas une nationalité qui rentre. Il est ghanéen. C'est vraiment si tu as une Bundesliga, quoi. Il peut jouer MG, ADBU. Vraiment, les gars, moi, je suis sceptique sur cette carte. Parce qu'après, des profils en 5 de GT, il n'y en a pas énormément en Bundesliga. Mais à ce stade du jeu, j'ai envie de vous dire, les gars, à ce stade du jeu, à part vraiment si tu as commencé le jeu. Mais voilà, il a un rendement moyen-moyen pour jouer sur un côté. Rendement moyen-moyen, c'est pas le meilleur des rendements. Après, de jouer BU avec 3 de mauvais pieds. Pour moi, les gars, il faut minimum 4 de mauvais pieds en BU à ce stade du jeu. Avec tous les BU et tout qu'il y a. Voilà, quoi, c'est un no-name, les gars. Il a 86 de vista, après il est méta. Il a 97 d'agilité pour 95 d'équilibre avec le 5 de GT. Mais voilà, 83 de réactivité et 80 de calme. Combiné à 83 de puissance de tir et avec un 3 de mauvais pied pour jouer BU, c'est maigre. Après, à gauche, les gars, il a l'endurance, il a la détente, il a une bonne force, une bonne agressivité. Il n'a pas de caractéristiques en plus pour jouer en BU. Donc, si vous le faites, c'est pour jouer sur un côté. Après, voilà, si vous avez fait Sadio Mané flashback ou vous avez Sadio Mané en Bundesliga, je vois pas l'utilité de le faire. Tu vois, malgré qu'il a 5 de GT. Après, si vous n'avez pas de AG et que vous avez une foot Bundesliga... Ça peut être pas mal, mais son rendement moyen-moyen, voilà quoi. Après, il a 5 de GT. Pour jouer sur un côté, ça peut être pas mal. A noter que les gars, il y a les Foot Birthday qui arrivent dans une semaine et demie, maximum 2 semaines, qui arrivent le 17. Et que vous aurez des cartes, toutes elles auront minimum double 4, 4 et 5, 5 et 5. Donc réfléchissez bien avant de vider votre folders pour faire cette carte hors poste de Daniel Kofi. Moi, je trouve que voilà, tu payes beaucoup son GT, 82-85. Si t'as des folders. Et t'as une équipe low cost ou une moyenne équipe pour une Bundesliga. Ouais, mais en AG par contre. En AG. Pourquoi pas? Si t'as une équipe low cost ou une équipe très moyenne de Bundesliga, full Bundesliga et que t'as besoin d'un AG, pourquoi pas? Après, si t'as une équipe hybride ou quoi que ce soit, il y a tellement d'alternatives sur ce côté. Même s'il a le 5 de GT, il faut calculer les gars qu'il a 83 en réactivité, 80 en calme, le sang-froid et le temps de réaction. Ça y fait énormément. En plus, si t'es un skiller. Et donc voilà, même s'il a des stats de tir assez intéressantes, il faut penser qu'il a un rendement moyen-moyen. Un joueur sur un côté qui a un rendement moyen-moyen, il faut aimer le profil. Donc, après, à ce stade du jeu, je trouve que c'est bof. C'est vraiment, je le conseille pour une équipe low cost, moyenne. Si vous n'avez pas énormément de crédit, il peut être méta, 5-2 GT. Mais réfléchissez, dans 2 semaines, il y a les Foot Birthday, il y a l'équipe de Caribe, il y aura des SBC qui arrivent tous les jours. Vous pouvez attendre, sinon, au pire, avant de le faire, si vous avez visité, il y a 13 jours. Pendant 13 jours, ils peuvent sortir d'autres cartes qui pourra vous intéresser un petit peu plus. Donc, personnellement, voilà quoi. Moi, je suis sceptique sur cette carte. Je ne vous le conseille pas forcément, à part si voilà, vous n'avez pas beaucoup de crédit, vous avez des folders, c'est qu'il vous faut un G. Donc voilà, mais pas de jouer BU, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'était Passion Gaming. Le contenu est maigre ce soir. On va voir un peu en objectif. On ne sait jamais s'ils nous ont mis un petit truc en objectif. Mais le contenu est assez maigre pour ce soir quand même. Et même s'ils ont mis un truc, ce n'est pas des trucs exceptionnels. Ramsey, je crois qu'il y était. Je fais pas les défis, donc ouais, ça y était. Lindstrom, Ramsey. Bah, il y a pas grand chose, les gars. Il y a pas grand chose, quoi. Il y a pas grand chose ce soir. Ah, le contenu des maigres. Donc voilà, les gars. Mané, c'est pas Ghana, frérot. Ouais, mais Mané, il joue en Bundesliga. C'est pour ça que j'ai pris exemple de Sadio Mané. C'est juste par rapport à ça que j'ai pris exemple. Réfléchis, frérot. J'ai dit Sadio Mané parce qu'il joue au même championnat. Si j'aurais voulu parler de Ghanéen, j'aurais parlé de Michael Essien ou autre. Réfléchis. Donc voilà les frérots, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.